Malte, 35 degrés à l'ombre, une mer bleue cristalline, des plages à couper le souffle. Mais ne vous y méprenez pas, je ne suis pas là pour vous relater mes vacances, mais pour vous parler de business intelligence. Au sein d'une équipe cosmopolite, un Russe, un Polonais, des Vénézuéliens, un Chypriote, des Maltais, je découvre le monde de la consolidation financière. Plongé dans une nouvelle culture dont je ne connais pas les codes, je tente de décrypter l'environnement qui m'entoure en me fondant dans la population locale. Afterwork avec mes collègues, sortie culturelle avec la famille maltaise qui m'héberge, je comprends de mieux en mieux leur façon de vivre. C'est aussi l'occasion de découvrir une culture d'entreprise bien différente de la nôtre. Plus décontractée, plus informelle, les échanges entre les différents niveaux hiérarchiques sont plus naturels et plus fluides. Pour résister à la pression de la concurrence, optimiser leur R&D et choisir les bons axes de développement stratégiques, les entreprises qui gagnent aujourd'hui sont celles qui sont à l'écoute de leur environnement. Les indicateurs de business intelligence sont les nouveaux facteurs clés de succès. Je prends en main de nouvelles technologies, je me sens petit à petit comme un poisson dans l'eau. J'ai de plus en plus de responsabilités, ce qui permet d'exprimer pleinement toutes mes compétences au service d'une entreprise innovante. Maintenant, je capitalise. Je transfère cette expertise en solutions BI vers les équipes de mon entreprise d'apprentissage. Je bascule de l'autre côté dans cette histoire. L'apprenant devient le maître.